Et salutations voyageurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris Apocalypse avec la Confédération Alvusienne. Alors, on va reprendre là où on en était resté, nous sommes toujours en guerre contre le Timoïde Empire et notre plan c'est tout simplement de lui prendre au maximum les systèmes qu'il y a vers le bas. Ça c'est des systèmes qui seront rapides à faire, il n'a pas de planète dans ce coin là, donc si on arrive à les prendre, à prendre ces planètes rapidement, ça pourrait être un gros avantage pour nous. Alors c'est parti, on relance la partie. Ici on était en train de bombarder cette planète là. On est maintenant à 500, ouais, donc ça devrait aller. On a quand même pas mal d'armées là ici, on a un cas. Est-ce qu'on a encore des armées qui sont en route? Ouais, on a eux là. Donc on va attendre qu'ils nous rejoignent. Les citadelles sont débloquées, la centrale bétarienne, on va en avoir besoin sur la colonie qu'on a. Je crois que c'est cette planète, ouais, voilà. Ça c'est parfait. Toi, tu vas peut-être, faire de la nourriture un petit peu là ici. Faire une petite ferme hydroponique, ça serait pas mal. Ouais, on est en négatif. Et on verra pour les centrales bétariennes, ce qui devrait nous aider beaucoup au niveau de l'énergie. Ouais, d'accord. Alors, je pense que du coup, on va aller avec cette flotte-là. On peut demander à la renforcer, on va le faire, et on va aller ici. On va fusionner ça. On va l'envoyer ici, et on va directement poser les armées. Construction complete. Hop. Ok, on a pris ce système. On a une planète ici. On va aller la bombarder. Ça va, il n'y a pas grand chose. Ok, on a trouvé ça. Donc on va faire... diminuer le coût des destroyers. Bon, ça va. Ground invasion force has seized the planet. Ok, on a pris la planète. C'est parfait. Alors du coup, on va avancer. Construction. Ici on a des débris, donc on va faire là. Projet de recherche. On a encore une armée là qui est prête, qui va rejoindre les autres. Alors, hop, ici ça n'aurait pas posé trop de problèmes. Voilà. Tu vas me tuer le vaisseau scientifique, trop tard, il est parti. C'est pas grave, il y a une planète à bombarder là ici aussi. Alors on en est où à ce niveau là? Ouais, on a 1100 aussi également. Technology secured. Alors vitesse de développement des pop, ça marche, on va prendre le biolab, ça serait cool. La citadelle de la flotte bien aussi. Ah. On va se développer en recherche quand même. Alors, petite pause. Ah, c'est nos... D'accord. C'est nos alliés. Alors, par contre, on est en négatif au niveau de l'énergie. Un petit peu ce qui se passe. Oula, ouais. Il y a beaucoup à faire ici. Du coup, on va attendre un petit peu. Alors c'est à cause du système en plus là. Donc on va... Ce qu'on va faire, on va aller dans la gestion des secteurs. Ça va être celui-ci je pense.
Non, c'est pas celui-ci. C'est Team truc là. Donc, c'est celui-ci, je pense. Ouais. Hop. Et on va le faire de nouveau. Alors, on peut le mettre directement, je crois. Ouais, donc, du coup, on lui donne pas ça, ni ça. On peut lui donner. Est-ce qu'on peut enlever ça? Ouais. Donc, on va faire comme ça seulement. C'est très bien. Ok. Hop. Du coup, on est repassé en positif. Alors, nos armées ici. Voilà, on a encore des armées en route. On va peut-être en relancer encore. Je sais que ça fait beaucoup, mais on a besoin d'armées. Voilà. Le sueur est accessible. Alors, si je fais ça, normalement, voilà, j'ai accès. Entrons dans le sueur. Il y a une présence ici. Occupant toute cette partie du sueur, nous avons déjà rencontré des esprits, mais il s'agit là de quelque chose d'autre. Quelque chose d'immensément plus puissant. Quelque chose de bien plus ancien. Cela semble ne pas avoir. Ne pas encore avoir pris conscience de notre présence. Peut-être cela dort-il. Peut-être sommes-nous tout simplement au-delà de sa perception. Peut-être devrions-nous partir. Eh bien, on va laisser Keb, notre élu, s'adresser à elle. Alors que nous nous approchons de la présence, nous sentons, nous pressentons une grande faim. La présence ne perd pas de temps, ni ne gâche un seul mot. C'est le mangeur de monde et il veut nous dévorer. Mais seulement certains d'entre nous. Ouais. Personne dont nous ne puissions nous passer. En échange, il nous garantit d'immenses pouvoirs. Il nous enseignera sa faim, sa rage. Il en fera des armes psioniques qui peuvent surmonter n'importe quel ennemi, si nous le laissons se nourrir de nous. Il semble impatient de commencer. Alors, ça nous donne cadence de tir plus 15%, morale des armées plus 30%. Eh bien, je sais pas si on va pas le regretter après, hein. Mangeur de monde, ouais, très beau, hein, magnifique d'ailleurs. Mais il m'inspire pas tellement confiance, ce gars-là. Alors, on a des armées en route. Hop. Du coup, pendant qu'on bombarde là-haut, j'irais bien quand même. Enemy presence exposed. Alors, présence ennemie. Donc lui, il est là. Ah, d'accord, il va ici. Ok, bah tu peux bombarder ici. À la limite, ça m'est égal. Et si tu viens par là, tu seras bien le bienvenu, tu seras bien reçu. Donc, on va. Alors. On va essayer de fusionner nos armées là. Voilà. Et en fait, vous allez venir ici. Parce qu'ici, le temps qu'on bombarde tout, à moins qu'on puisse déjà attaquer. Ouais, non, c'est encore beaucoup. Zero-G research platform disrupted. Ouais, non, mais vas-y, fais-toi plaisir. C'est pas grave, on s'en fiche un peu. Zero-G mineral production violently diminished. Ok, est-ce qu'on peut renforcer une de nos flottes? Celle-ci mériterait d'être réparée, mais bon, on continue de bombarder. Celle-ci peut être upgradée, on va le faire. Ok, ça c'est pas important. Voilà, nos armées arrivent ici.
ça c'est bien. Construction complete. Pierre débarque sur Pharix. Bon, s'ils font que ça, c'est pas très grave. Hein. Technology secured. Eh ben c'est bien. Partez. Voilà. Alors, ouais, et on pourrait faire maintenant le point. Ouais. Propulseur impulsion peut-être. Ici, le canon en plasma qui est fait. On pourrait faire le lanceur de protons. Ça va être rapide à faire. On va faire ça. Alors, hop. Donc ici, on a notre flotte. Où est notre flotte d'invasion? D'accord, elle est un petit peu en avance sur le reste. Alors, ouais. Encore? Voilà. Sérieusement, quoi? Alors, c'est ici. Ouais, mais du coup, on a une planète en trop. Ok. Alors, secteur. C'est celui-là. Gestion du secteur, on va ajouter juste ça. Ouais. C'est bon. Du coup, ouais. Du coup, on est bon de nouveau. Alors, ici. On fusionne. Et on prend cette planète. Bon, fusionner déjà. Voilà. Technology secured. Et poser les armes. Ok. Super, un résistant. Laser gamma, on pourrait faire. Je vais révéler ça quand même. Alors, on a de nouveau ici une planète. De toute façon, avec des peuples qui sont en train d'être complètement détruites. On va encore aller dans notre secteur ici. On va lui donner le système, comme ça on n'est plus embêté. Voilà, et on va maintenant descendre. Où est notre autre flotte? Ouais, ce sera bien que plus tard elle serait là. Toi, tu es là. Tu es toujours en train de bombarder. Ok. Alors, on fusionne et en fait, on va aller ici. Est-ce qu'il y a beaucoup de résistance sur cette planète? 500, ça devrait aller. On va même peut-être aller la bombarder un petit peu.
On a 1,8K. Peut-être pas nécessaire, on va poser les armées directement. Et donc tu vas aller. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Tu vas aller en orbite de ça. Je voudrais juste que tu te répares un petit peu en fait. Alors ici on est... Ouais, on est pas mal. Hein. D'accord. Alors, on va en profiter pour aller prendre ce système-là avant de redescendre. Au niveau de nos forces d'invasion, on va... Ouais, il faudrait qu'on prenne ça aussi. Voilà. On va retourner ici. Et en fait, on va aller prendre rapidement ce système-là. Ouais. Alors, il faut qu'on gère encore le secteur. C'est celui-ci. On ajoute cette planète. On va ajouter ce système. Ok. Pour renforcer cette flotte là, on a plein de minéraux. On va le faire, on va pas se gêner. Allez, à l'attaque. Construction complete. Alors ici on va aller là. Toi, tu vas rentrer sur... Tu vas rentrer ici en fait. Et voilà. Toi, la petite force là, tu vas avancer. Je vais te faire aller là. Et voilà, on va poser les armées ici. Voilà, on a plein de choses à faire sur notre planète. Hein, pour l'instant, c'est vrai que je suis un peu. Alors, système non connecté à un secteur. Ouais, on verra. Bon, alors on a de nouveau des soucis. Alors on va voir la carte de la galaxie. On va gérer ce secteur là. D'accord, donc là ils y vont gentiment du coup. Ah, ok. Ici on va rétrograder. Ici on rétrograde. Et ici on rétrograde également. Alors par contre, pourquoi je suis en négatif? C'est une bonne question. Peut-être à cause des armées. Ok. Bon.
c'est pas très grave ça. Alors ici, qu'est-ce qu'il nous reste sur cette planète? 300. Ok. Alors. Planète. Secteur. Celui-ci aussi. Voilà. C'est la surcharge de capacité qui est terminée. Donc on va la remettre tout de suite. Et voilà. Du coup, on est revenu en positif. C'est très bien. On va continuer notre petite excursion. On va passer par ici. Alors, je voulais descendre. Ouais, ça serait peut-être bien plutôt d'aller là. Et d'aller ici. Parce qu'en fait, on va essayer de passer par là et de prendre tout ça, parce qu'il n'y a pas de planète. Donc, ce serait parfait d'y aller directement, de prendre celle-ci, et on sera tranquille. Du coup, toi, t'as que 172. On va peut-être refaire encore quelques armées. Voilà, ça fait beaucoup, hein, je sais bien. Pas censé en faire autant, mais bon. Alors, ici on a des bloqueurs, ouais, des bloqueurs pas terribles. 10 pop. Alors, ici on va faire un centre de traitement des minéraux. Voilà. Ici on va faire ça. On va faire une centrale, un centre d'alimentation plutôt. Alors. Je vais faire niveau nourriture, on est à moins 2 sur cette planète, mais il y a une ferme hydroponique ici. Peut-être produire un peu de... vous savez quoi, je vais mettre un dôme du paradis là. C'est comme ça on va faire de la production de nourriture. Ici, on va mettre Gina Clinique. Toi, on va faire aussi peut-être un temple. Pourquoi pas, si on en avoir un, quoi. Vas-y, minier. Et ici, on va faire une centrale. Je sais qu'elle fera beaucoup d'énergie, cette planète, mais c'est pas grave. Et toi, ici, tu vas faire... alors, on est plutôt équilibré. Faire ça. Voilà, là on est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire sur cette planète? On peut déblayer. Voilà. Ouais, et on n'a pas de pop inactive. Ici, on peut déblayer également. Voilà. Et ici, alors ici, wow, ici on a plein de choses à faire. Toi t'es pas heureuse. Faction xénophobe. Peut-être que ouais, peut-être que j'ai pas fait tellement attention aussi à nos factions, donc ouais. Non, mais je vais la réprimer celle-ci parce que je m'intéresse pas à cette faction-là en fait. J'en veux pas. Ok. On va faire un petit peu de ménage là-dedans. Toi tu fais plus rien, bah vas-y, hop, allez, tu nous fais un peu de... Voilà. On va réduire le secteur, ok. On est reparti. Donc,
à l'attaque. Alors, on a un bout de flotte là qui se promène. Bon, c'est sans aucun souci pour nous. Hein. On va se mettre, on va aller bombarder cette planète là. Est-ce qu'il y a du monde dessus? Waouh, ouais, il y a du monde dessus. Donc, on va bien la bombarder comme il faut. Alors. Et on a juste un transport. Ok, alors. Hop. On a ici des populations qui font rien. Donc toi, tu vas nous faire... un générateur de bouclier. Toi, tu nous fais un dôme du paradis. En nourriture, on va être bon. Donc toi, tu vas nous faire autre chose. Est-ce que tu peux pas te mettre ailleurs? Non. Non. Alors, tu vas nous faire... Est-ce que tu pourras nous faire d'autres? Centre d'alimentation, peut-être? Ouais, c'est pas grave. Toi, tu vas nous faire un réseau minier. Toi... On peut pas te remplacer par autre chose de plus... Ouais, non, pas. Pas grave. Voyons voir, toi, tu fais rien non plus. Et on n'a plus de ressources. Donc, on va attendre un petit peu. Alors, on va partir vers où? On pourrait partir vers la diplomatie, vers la prospérité. Alors, ça nous donne quoi? Construction des chantiers spatiaux, ça c'est plus vraiment nécessaire l'expansion, hein. Là on est plutôt pas mal. Ok, on va partir sur la diplomatie. Hop. On va essayer d'améliorer notre confiance avec ceux du sud là, ce serait vraiment bien. Nos armées ici, là, vous allez descendre là. Et voilà. J'avais pas d'autre armée sur Alus. Ouais, mais si, mais c'est parce que je suis en pause. Voilà. Tout simplement. On a bien des armées en création qu'on va mettre ici. Ok, bon. Je vous propose de faire une petite pause ici les amis, j'espère que l'épisode vous aura plu, moi je vous dis à très bientôt pour la suite de ce let's play avec la Confédération Alvésienne. Salut à tous !